Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous saluons, yon go bonsoir pour nous toutes, nous espérons ou en forme par la grâce de Dieu. Nous venons dans l'émission Sila pour que nous présentions la 8e de finale de la Coupe du Roi. Et nous connaissons et Barcelone qui a eu pile difficulté pour te battre l'équipe en Coronea. Et après un pile tentative, les Barcelonais qui t'ont tenté à gauche, à droite, et tribo par bord, ils ont raté des pénalités. Et ils ont, dans un premier temps, par international bosnien, Mladen Pjanic, et plus, et deuxième, ils ont parlé loupé par international français, Ousmane Dembélé. Mais, messieurs, eux-mêmes, qui t'étendent vraiment les temps de prolongation pour que ils aient qui mesure, ils ont été capables vraiment passé équipe Cornea de goal à 0 pour que yo te joigne un ticket qualification pour 8e de finale compétition si là nous connaît vraiment équipe Real Madrid li pa nan bataille Atlético de Madrid encore une fois pa nan bataille mais nous capable dou avant que nous bon vraiment confrontation yo Zidane depuis Messi a prend tête en équipe Real Madrid là son monsieur qui pas chancé du tout avec Coupe du Roi. Là, c'est pas nous songer dans un premier temps, t'es gon jouer et vraiment yo t'es suspendu sous temps messier y aurait les sous temps y aurait les Solaria et yo t'es suspendu les pile t'es joué Denis Serichever yo t'es metté le joué et plus Real t'es perdu sous les tapis et plus et depuis lors Real par exemple fait bon figure dans Coupe du Roi et nous apporter confrontation au baou nous gagnons équipe en Alcoyanoa et équipe ça c'est lui même et fanatique Real Madrid yo pas jamais oublier lui même qui t'est éliminé équipe Real Madrid dans la 16e de finale et il va jouer contre équipe Atlético Bilbao. Nous gagnons équipe Naval Canero. Équipe ça va jouer contre équipe en Granada et Jona équipe ça lui-même il sorti dans première division l'année dernière année ça li a joué deuxième division li a joué contre équipe en Villarreal les hommes de Unai Emery et plus on a continué gagne équipe Rayo Vallecano et équipe Rayo Vallecano il a joué contre équipe en FC Barcelone adversaire équipe FC Barcelone c'est rééquipant Rayo Vallecano c'est Messi ça yo cap jouer contre équipe en FC Barcelona dans 8e de finale gagner Almeria c'est lui-même l'a jouer contre Atlético l'a jouer Atlético Club Osasuna ou bien Osasuna Pampelune c'est équipe ça yo cap jouer ensemble et puis Real Valladolid li a jouer contre équipe Levante Real Valladolid a joué contre Levante et puis choc dans 8e de finale ça c'est équipe en FC Sevilla lui-même qui a joué Toke Konni contre équipe en Valence la formation valencienne contre les Sevillans et de Julen Lopetegui pense c'est un bel match football et plus et dernier match là c'est Real Betis lui-même qui a joué contre équipe Real Sociedad là ou capable dit Real Société ou bien la Real Sociedad c'est lui-même qui a joué zami auditeur auditrice dans 16e de finale yo et Coupe du Roi Real Madrid soit chercher li gagnent pour l'année prochaine et puis équipe Atlético Madrid là li même tout bon côté par li était éliminé ça veut dire yo pas là mais yo même y a joué et nan match pa yo nan Coupe du Roi et Ligue des Champions y aurait été deux tableaux mais jusqu'à maintenant équipe FC Barcelone c'est sous trois tableaux liés amis auditeurs auditrices nous saluons nous espérons en forme merci du fait que toujours branché ou toujours été connecté ensemble avec nous merci mille merci n'a croisé dans prochaine émission.